Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 2 février 2017. Ça y est, la voilà, la vidéo de programmation. Elle arrive enfin et, bon, c'est pas un secret, c'est marqué dans le titre, mais on va parler de Perl. Donc Perl, si on l'écrit dans le bon sens, Perl, c'est un langage de programmation. Donc, qui est créé, ouais, comme vous voyez ici, par Larry Wall en 1987 pour traiter facilement de l'information de type textuel. Ce langage est interprété, c'est-à-dire qu'il n'est pas compilé, et il s'inspire des structures de contrôle et d'impression du langage C, mais aussi des langages de script tels que Sed, Awk et Shell. Il prend en charge les expressions régulières dans sa syntaxe même, permettant ainsi directement des actions sur l'aspect général de séquences de texte. Alors, c'est d'ailleurs une association, The Perl Foundation, s'occupe de son devenir et entre autres de son éventuel passage de la version 5 à la version 6. Le statut du langage est celui du logiciel libre, donc c'est un logiciel libre, distribué sous double licence, artistique licence et GPL. Actuellement, la dernière version, c'est la version 5.24. Mais chez nous, on va utiliser la version... Alors, attendez, c'est peut-être, j'aurais peut-être pu plutôt faire ça. Dev. Voilà. Ce sera la version 5.22 que j'utiliserai. .3RC4. Pour faire ce tuto. Enfin, ce tuto. Cette petite vidéo. Alors, d'abord, pourquoi du Perl? À noter d'ailleurs que Perl, ça veut dire Practical Extraction and Report Language. C'est P-E-R-L, c'est l'acronyme. Hein. Alors, pourquoi le Perl? Eh ben, c'est un langage de programmation que j'adore. Pourquoi j'en sais fichtrement rien? Peut-être parce qu'on peut tout faire avec. En tout cas, il est à mi-chemin entre le script et le langage de programmation, c'est pour ça que je l'aime bien. Et du coup, je script, mais des fois j'ai des trous de mémoire, donc j'ai fait un petit mémo Perl. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, au passage, faire une vidéo, et puis vous présenter un petit peu ce langage de programmation, et ce qu'on peut faire, mais je vais faire une vidéo, si vous voulez, pour introduire quelques petits concepts de base, si vous voulez vous amuser avec Perl plus tard chez vous. Pas de panique, je mettrai en dessous de la vidéo l'article qui m'aura servi de base pour la vidéo. À noter que là, ça sera la partie 1, c'est-à-dire la partie de base. Et puis après, je ferai peut-être une partie 2 quand j'aurai complété le tuto qui est sous la vidéo. Avec des exemples, des choses un petit peu plus compliquées. Enfin, compliquées dans le sens interroger des bases de données, faire des petits trucs sympas, des fonctions et tout ça. Mais là, on va rester dans la base. Donc, je vais faire un peu de ménage. D'abord, on va faire un script Perl. Donc, je vais l'appeler script. Je vais éditer avec VI, hein, comme ça, on aura la couleur. Script.pl, hein, puisque généralement, les scripts Perl finissent .pl. Ce fichier, il doit y avoir une première ligne qui va indiquer l'interpréteur. Donc, vous savez, quand on fait en bash, on a bin bash comme ça. Et bien ici, on va mettre la localisation de Perl, donc usr bin Perl. Voilà. Je vais enregistrer ça déjà, juste ça. Et je vais rendre exécutable, c'est chmod plus x script.perl. Voilà, de manière à pouvoir exécuter mon script Perl. Bon, là, il ne se passe rien, donc forcément. Mais ça marche bien, c'est bien exécutable. Donc, moi, dans tous mes scripts Perl, j'utilise deux choses. Use strict et use warning. Donc, Ces deux instructions-là, ça va forcer à faire use strict en tout cas, ça va forcer à faire du code propre, à déclarer nos variables, à être rigoureux dans le code. Donc ça, c'est assez intéressant. Et use warnings, eh ben, ça va permettre d'afficher dans la console des avertissements si jamais il y a quelque chose qui est un peu étrange, mais que ça marche quand même.
Donc on va faire un petit truc tout simple, on va écrire quelque chose. Donc pour écrire quelque chose, c'est la commande print. Et on va écrire bonjour à tous. Toutes les lignes terminent par un point virgule. C'est le caractère de fin de ligne. Certains langages de programmation, c'est de l'indentation. D'autres, il n'y a rien du tout. Donc ici, c'est voilà, c'est le point virgule. Donc je vais me mettre là, hop, et je vais éditer mon script, je vais exécuter mon script, voilà. Et donc il nous écrit bonjour à tous. Vous voyez par contre que ici le point d'exclamation, qui est le dernier symbole de mon print, après le prompt il est juste après. Il saute pas de ligne parce que par défaut, quand on affiche des trucs, il saute pas de ligne. Il n'y a pas de saut de ligne. Donc il faut rajouter ces sauts de ligne à la main. C'est le symbole anti slash n. Donc en faisant ça, si je rappelle, alors je descends un peu, voilà, si je rappelle le script, voilà, on a le saut de ligne. Voilà. Donc toutes les lignes se terminent par un point virgule, et si on affiche des choses avec print, il faut prévoir le saut de ligne. Bien sûr, on peut écrire sur la même ligne, comment ça va. Et là, en fait, même si on affiche sur une seule ligne, notre script va afficher sur deux lignes, puisque le anti-slash n, c'est le symbole pour sauter la ligne. Alors oui, bon, c'est intéressant, mais pas tant que ça. Donc, j'efface ça, et on va essayer d'aller un peu plus loin. On va pouvoir utiliser des variables. Donc, une variable, elle s'appelle avec un dollar, donc dollar $a, par exemple. On finit sa ligne par un point virgule, sauf que pour les déclarer, c'est l'instruction my. My $a. Ensuite, si on veut mettre une variable de type chaîne, hein, du texte dans la variable. Alors, ce qu'on va faire, on va peut-être faire un truc un peu plus sympa. TXT, voilà. On va nommer des variables assez explicitement. Donc, pour affecter du texte dans ma variable TXT, je fais $TXT égale bonjour. Voilà. De la même manière, si on veut mettre une variable avec des nombres, on peut définir my$nb. Et puis là, je vais faire un truc assez sympa, myNB égale 3, voilà. Je définis nb à 3, donc on peut initialiser, déclarer et initialiser la variable en même temps. Donc si je fais print pour afficher, donc je fais print $txt. $NB, voilà, et tant qu'à faire un petit anti slash n, hein, pour sauter la ligne, voilà, ça va nous écrire bonjour 3, voilà. Donc pour appeler les variables, c'est dollar, etc. Donc pourquoi j'utilise les doubles cotes, ben parce que si j'en mets des simples, vous allez voir ce qui se passe, ça c'est comme dans beaucoup de langages de programmation, si j'utilise le simple apostrophe, et ben ici il va m'écrire texto, $txt, $nb, anti-slash n, il va rien du tout interpréter. Donc c'est pour ça que si les variables doivent être interprétées, on met des doubles guillemets. Et donc là, c'est interprété, voilà. Donc maintenant qu'on a ça, bon bah c'est bien, mais on va essayer de faire des calculs. On va essayer de faire des calculs. Donc par exemple, on va faire my$calc, qui sera une variable résultat du calcul, et on va afficher print le calcul vaut $calc. Voilà. Et ici, on va s'amuser à faire un calcul. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, par exemple, on va dire que $calc est égal à $NB. Si on veut faire une addition, NB plus 3, et ben on fait NB plus 3. Et donc là, ça va nous marquer le calcul vaut 6, parce que NB vaut 3, et on fait 3 plus 3, donc ça fait 6. Une soustraction, c'est avec le moins. Voilà, ça vaut 0. Une multiplication, ça se fait avec l'étoile,
Donc ça, c'est les symboles classiques. Là, ça vaut 6, parce que 3 fois 2, 6. Et la division, c'est le slash. Voilà, donc là, ça vaut 1,5. Si on veut, donc là je vais laisser quand même la variable calc. Si on veut cette fois-ci plus faire des calculs avec des chiffres, mais qu'on veut dire par exemple bonjour Adrien, mais que dans mais on veut réutiliser notre variable $txt qui contient bonjour. Donc on va écrire $txt. Ah mince, c'est pas. Hop. Donc $txt Adrien, mais comment on concatène les deux bouts? Alors soit on peut faire ça, et donc là ça nous écrit le calcul vaut bonjour Adrien. Bon, ok, c'est pas terrible hein, la phrase, mais soit l'opérateur de concaténation, si on laisse comme ça, voilà, c'est le point. Donc là, si on fait ça, bon, il y aura bonjour et Adrien qui sera collé, mais le point, c'est la concaténation entre deux chaînes de caractères. Voilà. Alors on va revenir à nos calculs, parce que les calculs, c'est bien. Si, donc là on a vu qu'on pouvait faire calcul, donc NB plus 3. Maintenant, si on veut incrémenter, décrémenter ou réutiliser cette variable NB en réutilisant elle-même et puis en lui ajoutant 2. Donc si on veut redéfinir NB ici, puis on veut dire, ben là, pour une raison X ou Y, on veut dire que NB c'est l'ancienne valeur de NB plus 2. Et ben on écrit $NB plus 2. Et donc là, NB est redéfini avec sa valeur, plus 2, donc vu que NB vaut 3, NB plus 2, ça vaut 5. Cool. On peut, bien sûr, raccourcir cette expression, vu qu'on réutilise le $NB, on peut mettre tout simplement plus égal 2, et donc là, ça fait NB plus égal 2, donc ça, c'est la même chose que NB égale NB plus 2. Calcul vaut 5. Donc ça marche avec la soustraction, ici, hop, voilà, $NB égale $NB moins 2. Donc ça va faire, on va redéfinir NB qui va vouloir 3 moins 2. Donc ça vaut 1. Donc pareil pour la multiplication et la division. Si on veut incrémenter NB, incrémenter ça veut dire NB égale NB plus 1. On peut faire ça, mais donc là on a 3, on va avoir 4, le truc est sympa. Mais dans certains langages de programmation, on a la fameuse, attendez, je vous épargne le fait que je tousse. Si on veut incrémenter notre $NB, qu'on veut faire NB++, si on fait ça, ça va pas marcher. On va faire tout simplement NB++. Et donc là, on a NB qui vaut 3, on fait NB++, donc NB, le calcul, vaut 4 maintenant. Toujours. Voilà, donc ça c'est pour incrémenter, et donc si on veut décrémenter, NB moins moins. Et donc là, 3 moins 1, ça va faire 2. Bon, c'est bien, mais maintenant, on voudrait essayer de, comment dire, de faire des trucs plus sympas. Donc si on veut faire des comparaisons et des trucs comme ça, ce sont des conditions, et donc pour faire des conditions, ce qui serait bien, c'est qu'on voit au moins comment se structure un si. Le si, le fameux if, est une structure conditionnelle, donc pour tester les comparaisons, eh ben, il faut déjà regarder un petit peu comment ça se passe un si. Donc je vais effacer tout ça. Et donc la structure si, qui est quand même la plus simple, si, gna gna gna, la condition est complétée, alors on fait ça, sinon on fait ça. Donc c'est if, je vais descendre un peu, if condition,
Ensuite, ce sont des accolades qu'on utilise. Si, alors on fait ça. Et sinon, else, on fait ça. Donc je vais marquer print faux. Et donc ici, c'est ça se réalise si la condition est vraie. Donc je vais mettre vrai. Voilà. Donc maintenant, on va voir la condition. La condition, donc ça va être là qu'on va tester des choses. Donc, si on veut comparer des entiers. Donc ici, je vais utiliser ma variable $NB. Donc si je NB est égal à 3, donc égal pour le tester l'égalité, c'est le double égal, parce que le simple égal, c'est l'affectation. Donc là, si NB vaut 3, on écrit vrai. Sinon, on écrit faux. Donc là, vu que NB vaut 3, ce sera vrai. On a les symboles de comparaison classiques. Donc là, si c'est pas égal, c'est point d'exclamation égal. Donc là, c'est faux. On a le symbole plus grand que, plus petit que, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc ça, ces symboles, ils sont là. Donc là, est-ce que NB est plus petit ou égal à 3? Bah, vu qu'il vaut 3, c'est vrai. S'il vaut plus petit ou égal à 4, c'est vrai. Plus petit ou égal à 2, voilà, c'est plus vrai, donc c'est faux. Voilà, donc le si, il se fait comme ça. Et si on veut tester des chaînes, txt. Alors, on veut tester si ça vaut bonjour. On veut tester si ça vaut bonjour. Alors, pour comparer les chaînes, cette fois-ci, on va utiliser les mêmes choses quasiment qu'en bash. Donc déjà, on va mettre notre variable entre guillemets, ça peut être plus sympa. Et là, si on veut tester si c'est égal, EQ. Donc, est-ce que txt est égal à bonjour? Vrai. Attention, Perl est sensible à la casse, c'est-à-dire que bonjour avec un B minuscule, ce n'est pas égal à bonjour avec un B majuscule. Donc là, ce sera faux. Si on veut dire, si on veut tester si c'est pas égal, NE, not equal, donc est-ce que TXT n'est pas égal à bonjour? Ben là, c'est vrai. On peut comparer aussi avec des trucs de ce style-là. Alors, salut. On va comparer bonjour à salut. Vous allez voir, on va utiliser LT, donc lower than. Lower than, donc ça veut dire est-ce que bonjour, hein, qui est dans ma variable txt, est inférieur à salut. Alors ça veut dire quoi? Bonjour inférieur à salut. Eh bien, c'est tout simplement, est-ce que dans le dictionnaire, bonjour est avant salut? Oui, c'est vrai. Donc on a lower than, lower or equal, donc là ça veut dire on teste si c'est avant ou si c'est le même mot. Et on a pareil avec GT et GE, donc grander than ou grander or equal, hein, donc plus grand ou égal ou plus grand strictement. Donc il y a un petit test qui peut être sympa, ici. Donc bonjour. Est-ce que bonjour en minuscule, il est avant ou après avant le bonjour en majuscule? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, on va peut-être mettre ça, lower than, voilà. Est-ce que bonjour avec un B majuscule est plus petit que bonjour avec un B minuscule? La réponse est vraie. C'est-à-dire qu'un mot avec une majuscule sera avant dans le dictionnaire que celui après avec une majuscule. Voilà. Tout simplement. Donc, la comparaison ici avec lower than pour des chaînes, plus petit ou plus grand, ce sera en fonction du... de je suis avant ou je suis après dans le dictionnaire. Et c'est pas du tout la longueur. On peut essayer de mettre plusieurs conditions, c'est-à-dire on peut tester plusieurs conditions. Est-ce que txt est... Donc est-ce que bonjour est avant bonjour sans la majuscule? Et puis si on veut tester autre chose, par exemple si nb inférieur à 3. Donc si on veut dire que
Si on veut que ce soit vrai, si les deux conditions sont vraies, ça va être un « et ». Donc le « et » logique, c'est la double espéruette. Donc là, est-ce que « bonjour » avec un B majuscule est avant « bonjour » ? Oui. Mais « et » est-ce que « NB » est inférieur à 3 ? Bah là, c'est faux, donc ça va écrire « faux ». On a le « ou », donc c'est le double pipe. Est-ce que bonjour avec un B majuscule est avant bonjour? Enfin, je vais remettre salut parce que sinon ça va être compliqué pour la vidéo. Là, est-ce que bonjour est avant salut ou que NB inférieur à 3? Bah, s'il y en a une des deux qui est juste, eh bien on dit vrai. Donc là c'est le cas, celle-ci est vraie, celle-ci est fausse. Donc il y en a au moins une qui est vraie, donc vrai. Et on a bien sûr le non logique. Donc le non, je ne sais plus ce que c'est, mais c'est ça, voilà. Je pense que ça veut dire que les deux doivent être fausses, peut-être. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Ça doit être l'inverse de NB inférieur à 3. Donc c'est faux, mais vu qu'on met un non, ça doit être vrai. Voilà. C'est pour inverser le si. Alors c'est un peu moche. C'est un peu moche. Donc maintenant qu'on a vu les opérateurs de comparaison, ce qui peut être sympa, c'est de voir les autres structures conditionnelles. Hein. Donc ce que j'appelle les autres structures conditionnelles, c'est si, alors, sinon, etc. Donc si on veut tester par exemple plusieurs choses, on veut tester si NB est inférieur à 3. Si c'est vrai, tant mieux. Si c'est faux, ben je ne veux pas écrire faux, je veux retester une autre chose. Donc on peut tester ça. Par exemple, if $NB supérieur à 4. Non, supérieur à 10 par exemple. On peut faire ça. Alors là, par contre, si je saute trop d'espace, ça va pas le faire. Hein. Donc, si je fais ça, hop, else. Hop, on va essayer de faire un truc bien quand même. Hop, on va essayer d'indenter, c'est sympa. Voilà. Donc, ça veut dire que là, si NB est inférieur à 3, on met que c'est vrai. Bon, on va mettre moins F3. Ici, si NB est supérieur à 10, on va écrire print sup 10. Et si c'est pas le cas de tout ça, on va écrire entre 3 et 10. Grosso modo. Hein. Voilà. Donc là, vu que mon NB, il vaut 3. Donc on va faire un peu le ménage par contre là. On va serrer tout ça. Voilà. Donc, vu que mon NB vaut 3, ça va nous mettre entre 3 et 10, normalement. Voilà, entre 3 et 10. Donc, on peut imbriquer plusieurs structures comme ça, mais c'est pas terrible. Donc, on peut essayer de réduire le code en faisant un truc comme ça. Hop. Donc, else if. Voilà, on peut imbriquer le si. Voilà. Donc on dit si c'est inférieur à 3, on fait ça. Sinon, si c'est ça, hein, sinon on fait ça. Voilà. Donc là, on gagne un petit peu d'espace. Bien sûr, il n'y a pas de... par défaut, dans Perl, on n'a pas la fonction switch. La fonction switch, c'est en fonction de NB, si ça vaut 1, si ça vaut 2, si ça vaut 3, on fait ça. Et une instruction par défaut. Donc il faut installer un module switch. Peut-être que je le ferai dans la partie d'après. Peut-être pas le faire tout de suite. Je le ferai dans la partie 2 de Perl. Donc là, je vais enlever tout ça. Hop, voilà. Et donc, ici, donc on a dit print inférieur à 3. Donc là, c'est pas le cas. On n'affiche rien. Si pour une raison ou une autre, on veut faire le contraire d'un si, c'est-à-dire on veut tester si la condition est fausse. Donc on a vu, soit on met le point d'exclamation,
Donc, si la condition est fausse, ben c'est sup ou égal à 3. Donc ici, supérieur ou égal à 3. Mais Perl intègre une fonction de if inversé qui va tester si la condition est fausse. Ça s'appelle unless. Donc cette condition, ça revient à un si inversé. On teste si la condition elle est fausse, on fait ce qu'il y a dedans. Voilà. Ça nous évite de faire un truc de ce style-là si on ne connaît pas la fonction nom. Ça nous évite de faire un truc comme ça. Voilà. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, on va faire ça, on va faire si c'est inférieur à 3, alors bah, pff, on fait rien. Sinon, on fait ça. Voilà, donc c'est quand même plus propre d'utiliser unless que d'utiliser ce if avec rien dedans et tout dans le else. Voilà. Donc unless, c'est le si inversé. Alors ça, c'est un truc de base. Maintenant, on va essayer de se faire un truc un peu plus sympa. On va commencer à faire des boucles, parce qu'on en aura peut-être un peu plus besoin. Le plus simple, c'est la boucle for. For en anglais, pour. Pour un certain nombre, jusqu'à un certain nombre, et ce nombre, on va l'incrémenter tous les x, on va faire des choses. Donc, le pour, c'est for, compteur, donc for compteur, entre parenthèses, hein, condition, point virgule, le pas, donc c'est tous les combien on incrémente, on ferme, et on fait notre truc. Donc là, par exemple, on va utiliser un compteur qui s'appelle i, donc on va faire print $i, on va imprimer, enfin on va afficher à l'écran la variable i. Donc le compteur, c'est $i, qu'on va initialiser à 1. La condition, ça va être, ben on va faire ça en fait jusqu'à ce que i vale soit inférieur strict à 10, et on va incrémenter, donc $i++, on incrémente de 1. Bien sûr, vu qu'on a utilisé le useStrict, on définit tranquillement notre variable avec my dans la boucle. Hein. Et donc là, ça va nous afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, parce que dès que i vaut 9, on repasse ici, on incrémente i. Est-ce que i est inférieur strict à 10 Non, c'est plus le cas, donc on sort. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut incrémenter de 2, hein, si on a envie d'incrémenter de 2. Plus égal 2, c'est tout à fait possible, le pas il est à notre choix, donc là 1, 3, 5, 7, 9. Voilà, donc on peut faire des conditions tant qu'on veut. Bien sûr, si la condition elle est un petit peu nulle, du style tant que i supérieur à 0, donc si on fait ça, la condition sera toujours vraie, puisqu'on commence à 1, c'est inférieur, enfin c'est supérieur à 0, on incrémente de 2, et donc ça va boucler, 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 et ça va jamais s'arrêter. Voilà, donc il faut bien faire CTRL-C, il faut faire attention quand on fait sa boucle, parce que si on ne fait pas attention, et que la condition n'est jamais réalisée, et ben il va continuer à l'infini. Donc ça c'est le pour. Dans l'autre style de fonction, enfin de boucle, on a le while. Donc le while, c'est le tant que. Et là, la condition, ça va être juste, par exemple, $NB inférieur à 10. Donc de la même façon, entre accolades. Puis on va afficher print $NB. Donc on va afficher notre nombre. Par contre, quand on est dans un while, donc dans un tant que, jamais la variable elle va changer. Donc ce sera à nous d'incrémenter $NB++ à la main. Donc là NB vaut 3, il affiche 3, on incrémente, ça vaut 4, 5, donc ça va marquer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà.
Alors bien sûr, cet exemple-là, il est assez réducteur, mais on peut faire tout un tas de conditions. On peut faire un truc du style, par exemple, my $ok. On fait une variable ok. Tant que ok égale 0, donc là on peut faire ok égale 0. Et ici on peut faire des tas de fonctions, donc dans le while on peut refaire des si, faire des tas de trucs. Et puis il y a un moment, je sais pas, pour sortir de la boucle, on se dit, tiens, bah par exemple là, bah tiens, on va faire if $i égale 10. Donc hop, je vais quand même faire ça. On peut tout imbriquer, bien sûr. $ok égale 1. Donc ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ici, on va faire une boucle qui va se réaliser tant que ok vaut 0. Donc on l'initialise à 0. On va afficher nb. Là, ça va rien faire du tout, d'ailleurs. Nb, voilà. Donc ça affiche nb. Nb vaut 3. On incrémente. Si ça vaut 10, on met ok égale 1. Donc ça boucle. Et puis il y a un moment, quand i vaudra 10... Eh ben, on mettra OK à 1, donc ça va imprimer 10 là, on sera à 10, on incrémente, donc non, i nb vaudra 9 à un moment donné, on incrémente, nb vaut 10, bon bah si nb vaut 10, OK égale 1, donc on met OK à 1, toc, on reboucle, OK égale 0, c'est plus vrai, donc on sort. Donc ça revient quasiment au même qu'un certain truc. Alors là par contre, oui, et je ne respecte pas ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Le symbole d'égalité, c'est le double égal. Et donc ici, pour tester, c'est pareil, c'est le double égal. Je me laisse distraire par la vidéo. Set number, tiens, au passage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on nous dit bien, voilà, le message est explicite. Hein. Il a trouvé égal dans une condition, ça devrait être deux double égal, ligne 20 et ligne 15. Donc voilà, il nous indique quand même que après la ligne 15... Donc ça, en fait, cette accolade, elle peut être écrite au même endroit, là. Donc il nous dit qu'il y a un simple égal à la place d'un double égal qui a été détecté ici et ici. Voilà. Donc là, il nous rappelle à l'ordre, si on fait une bêtise, voilà. Et donc là, ça refait à peu près la même chose. Et maintenant, pour terminer, on va... on a à peu près fini avec les boucles, il en reste une, c'est le for each, donc pour chaque élément d'une liste, on va faire ça. Mais avant de faire notre for each, donc notre parcours de liste, eh ben il va falloir au moins savoir comment on crée une liste. Donc le plus simple, ça va être de faire un tableau. Donc un tableau, ça se définit avec my, pareil, tab. Mais cette fois-ci, c'est pas un dollar, parce que dollar c'est une variable. Donc le tableau, c'est arrobase tab. Ça me fait penser à un truc. Donc arrobase tab, c'est notre tableau. Donc on peut faire tous d'un coup là, hop, donc on peut définir des prénoms, par exemple, donc on va définir dans notre tableau, on va mettre des prénoms, Adrien, Frédéric, et Sébastien, et puis Scott. Bon, ceux qui savent à qui je suis abonné sur YouTube reconnaîtront des noms de quelques-uns de mes abonnés et de ceux à qui je suis. Voilà. Donc si on veut afficher notre tableau, après, print arrobas tab. Cool. Et donc là, ça va nous afficher notre tableau. Ni plus ni moins. Adrien, Frédéric, Sébastien. Bon, tout attaché, tout à la suite. Hein. Brou. Ok. Si on veut remplir un tableau de nombres, alors, nbs, my.nbs, si on veut remplir un tableau, par exemple, de 0 à 20. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, alors, je viens de faire un truc que je ne connaissais pas avec la console. Alors, j'ai fait peut-être bien ça. Ah ouais, c'est ça que j'ai fait. Alors, zut, comment on fait pour fermer... Scinder la vue. Donc c'est pas ça, fermer la vue active, voilà. Signer. Alors, désolé, je pensais pas avoir fait cette connerie-là. Hop, alors. On revient là.
Et on vient là. Voilà. Donc je disais, si on veut remplir un nombre, un tableau de nombres de 0, vous comprendrez pourquoi je commence à 0, hein, de 0 à 20. Et bien 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Ça va être long. Hein. Donc on peut faire 0, 2 points, 2 points, 20. Et donc là, notre tableau, il va être rempli de 0 à 20. Petite astuce. Et donc là, si j'affiche NBS, donc ça va m'afficher 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'à 20. Tout attaché, bien sûr. Donc si on veut appeler des éléments de notre tableau par leur numéro d'index, en fait, ici, dans un tableau, ça c'est le champ numéro 0, ça c'est le champ numéro 1, ça c'est le champ numéro 2, ça c'est le champ numéro 3. Donc, si je veux appeler le champ numéro 1 de tab, qui correspond donc au deuxième dans la liste, si je veux appeler Frédéric, eh bien, le champ numéro 1, qui est en deuxième position, on l'appelle comme ça, mais cette fois-ci, on n'appelle plus un tableau, mais une variable. Donc, $tab de 1. Et donc là, ça va nous afficher Frédéric, parce qu'on prend l'élément en position 1 de tab. Donc, élément 0, il est là, élément 1, il est là. Donc, ça va nous afficher Frédéric. Voilà. Tout simplement. Donc, je vais remettre mon tableau. Donc, voilà. Mon tab, là. Donc, je raffiche mon tab, par exemple, là. Ça m'affiche Adrien, Frédéric, Sébastien, Scott. Et puis, je me suis dit, dans mon programme, on se dit, tiens, on a envie de rajouter un élément à la fin du tableau. Par exemple, tiens, j'ai oublié Adeline, tiens. Donc, on va ajouter dans le tableau, grâce à push. Donc, push, on va dire dans mon tableau. Donc, push, ça veut dire j'insère à la fin du tableau. Donc, j'insère dans mon tableau tab, Adeline. Et donc là, cette fois-ci, ça va m'écrire, après en affichant mon tableau, ça va écrire Adrien, Frédéric, Sébastien, Scott, Adeline. Ça affiche à la fin. Voilà, donc elle est ici. Si on veut ajouter un élément au début du tableau, par exemple, on se dit, bah tiens, Adeline, ce serait mieux qu'elle soit au début du tableau, hein, parce que le A, ce serait bien que ce soit dans le début. Donc là, ce ne sera plus push, mais ce sera unshift. Donc là, cette fois-ci, ça va nous écrire Adeline, Adrien, Frédéric, Sébastien, Scott. Voilà. Donc avec unshift, ça nous place ça au début du tableau. Et de la même manière, si on veut parcourir un tableau et petit à petit enlever les éléments de ce tableau, on peut le faire. Donc là, si on enlève un élément, on ne précise pas son nom. Donc si je veux enlever le dernier élément du tableau, c'est-à-dire je veux virer Scott de mon tableau, et ben on va utiliser pop. Et donc pop, ça va virer Scott du tableau. Voilà, donc on n'a plus que Adrien, Frédéric, Sébastien. Et si on veut virer le premier, unshift, et on va virer le début, donc c'est on vire Adrien. Useless use of unshift. Ah. Oui, non, c'est pas ça, c'est shift, pardon. Shift. Pour le premier du tableau. Voilà, donc ça vire Adrien. Unshift, c'était pour rajouter au début du tableau. Hein. Donc tout ce qui est shift, c'est pour le début. Et tout ce qui est push et pop, c'est à la fin. Push, on ajoute à la fin. Pop, on supprime à la fin. Shift, on supprime le premier. Et unshift, on ajoute au début. On peut supprimer un élément bien précis de notre tableau. Par exemple, là, alors je vais virer ça. Par exemple, là, on a Adrien, Frédéric, Sébastien. Puis, Frédéric, on ne veut pas le voir parce qu'on ne veut pas le voir. Donc, on peut supprimer un élément bien particulier du tableau. Donc, Frédéric, c'est l'élément 0, 1. C'est l'élément 1. Donc, c'est tout simplement delete. Et donc, là, dans delete, on va supprimer
Donc là, on rappelle avec la variable, on va supprimer de notre tableau l'élément numéro 1. Donc on supprime ça, table de 1. Et donc là, ça va nous afficher Adrien Sébastien Scott. Normalement, Adrien Sébastien Scott. Sauf que là, ici, qu'est-ce qu'il nous dit ? Ça nous affiche ça. Bon, après, voilà, il y a une variable non initialisée qui est appelée, je ne sais pas pourquoi. Ah bah oui, parce qu'il appelle table de 1. Donc ça, c'est le use warning. Il nous prévient que, bah du coup, là, c'est toujours 0, 1, 2, 3. Sauf que là, la case, elle est vide. Hein. Donc, par exemple, on peut aussi, ce tableau, le retransformer en chaîne, c'est-à-dire on veut afficher ce tableau. Bon, je verrai ça. On veut afficher ce tableau. Donc par exemple avec $, donc $txt. On va vouloir mettre le tableau dans txt. Je verrai ça. J'ai oublié de dire les commentaires, c'est dièse. Hein. Donc je veux que mon tableau, par exemple, à la place de mettre d'afficher tous les noms les uns à la suite des autres, je veux mettre un espace entre. Donc si on veut mettre un espace entre, eh bien il va falloir transformer ce tableau en une grande chaîne. Donc ça va être assez simple. Pour faire ça, on va utiliser qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est pas forcément utilisé comme ça. Donc on va pas le faire. Ça va être plutôt utilisé dans l'autre sens. Genre on a my $copain. On va récupérer mes copains. On va les récupérer peut-être sous une forme... allez, je prends un exemple comme si on récupérait des colonnes d'un CSV ou des choses comme ça. Adrien. Frédéric. Frédéric. Point virgule. Sébastien. Point virgule. Adeline. Point virgule. Scott. Voilà. On les sépare par un point virgule. J'ai fait exprès de ne pas les mettre dans l'ordre alphabétique parce qu'on va faire un truc après, on va trier notre tableau. Sinon, c'est pas drôle. Donc là, on a nos copains. Et si finalement, on va remettre notre arrobas table. Hein. Je vais le définir là-haut. My arrobas table. Voilà. Donc on a nos copains qui sont sous forme d'une chaîne là, séparée par un point virgule. Et donc si on veut les mettre dans le tableau, eh ben, on va faire arrobas table. Égal, et donc là on va utiliser la variable, enfin la fonction split qui s'utilise dans d'autres langages de programmation. Donc split en fonction du séparateur point virgule, et on va mettre notre chaîne, donc ici copain, quoique on pourrait l'utiliser dans l'autre sens, c'est vrai. Et donc là, si j'affiche après mon tableau, bah ça va pas m'afficher, ça va m'afficher Adrien, Frédéric, Sébastien, Aline, Scott, sans les espaces. Ou pas. Il faut quand même séparer notre split par les deux trucs de notre split par une virgule, sinon ça marche pas trop. Hein. Je me laisse intimider par la vidéo. Voilà, donc là, ça nous affiche bien notre truc. Quoique, voilà, si, bon, et maintenant, on a par exemple, ben voilà, on a notre tableau, tab, où il y a Adrien, Frédéric, Sébastien, Adeline, Scott. Et si, bon, si on veut rafficher tous ces noms avec, on veut les reconcaténer, si on va le faire quand même, donc $copain. Égal, et donc là, on va essayer de rejoindre notre tableau en une chaîne. Donc on va utiliser join.
On va prendre notre tableau. Et puis, on va ajouter un séparateur. Et ce séparateur, je ne sais pas si on peut mettre plusieurs caractères, genre anti-slash n, pour les mettre à la ligne. Et après, on va afficher copain. Copain! Donc là, normalement, notre tableau, il commence par des points-virgules. On recrée un tableau avec notre chaîne qui est séparée par des points-virgules. On a notre tableau. Et après, on refait une chaîne avec, avec notre tableau. Et on va séparer chacun des termes du tableau par anti-slash n, donc un saut de ligne. Et normalement, ça devrait marcher. Non, ça ne marche pas. Ça m'écrit anti-slash n cache. Ça aurait été trop beau. Donc on va le mettre comme ça. Par exemple, un tiret pour les séparer par un tiret. Voilà. En faisant avec un anti-slash n, j'étais absolument pas sûr que ça allait marcher. Donc, ça, on va virer. Je vais laisser, tiens, mon mic copain, là. On fait notre tableau. Et donc, on met notre tableau. On va print. On va mettre arrobase tab. Voilà. Donc là, on va afficher notre tableau. Qui n'est pas trié. Adrien, Frédéric, Sébastien, Adeline, Scott. Donc, si on veut le trier par ordre alphabétique... Et eh bien, il y a une magnifique fonction qui s'appelle sort. Donc, on va redéfinir tab. Enfin, on redéfinit dans le même tableau, mais on peut prendre un autre tableau. Tiens, on peut faire my tab trier qui vaut donc sort. On trie notre tableau arrobase tab. Et donc, là, si on affiche notre tab trier, normalement, tiens, si je vais print arrobas tab, je vais faire un anti slash n, donc une petite saut de ligne. Ce serait bien quand même, hein, que je les mette ces sauts de ligne. Voilà, donc normalement il devrait nous afficher notre tableau qui est ces noms là dans le même ordre. Et notre tableau trié, avec sort, on va voir que c'est trié dans l'ordre alphabétique. Donc normalement, tadam, voilà, on passe de Adrien, Frédéric, Sébastien, Adeline, Scott à Adeline, Adrien, Frédéric, Scott, Sébastien. Donc notre tableau est trié. Tout simplement. Si on veut savoir combien on a d'éléments dans notre tableau, donc là, on va virer ça. Donc, si on veut savoir combien on a d'éléments dans notre tableau, on peut dire $NB égale. Donc, je vais virer l'initialisation là-haut quand même. $NB égale, donc, arrobase tab trier. Et là, si on fait un print, donc si on affiche $NB. Hop, hop, il y a, tac, 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 éléments dans le tableau. Donc en définissant la variable tableau dans une... un autre tableau dans une variable, ça va compter le nombre d'éléments. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 prénoms. Donc il nous met, il y a 5 éléments dans le tableau. Tout simplement. Donc on voit que si on affecte tableau trié dans un nombre... il récupère le nombre d'éléments et il ne récupère pas ce qu'on affichait tout à l'heure quand on affichait juste arrobas tab, c'est-à-dire ça. Donc après, on pourrait se dire, bah tiens, si on veut afficher un truc sympa, on pourrait faire un for $i my $i égale 0, puisque le premier indice commence à 0 du tableau. On pourrait faire ça. La condition $i inférieur à $NB. Donc tant que le compteur il est inférieur au nombre d'éléments du tableau. $i plus plus. Et on va se dire, tiens, pour ça, on va faire print
arrobas tab trier, non, dollar tab trier de dollar i. En gros, ça fait quoi tout ça? Et puis si on peut même peut-être mettre un anti slash n. Voilà. On peut mettre le dollar i nom du tableau est ça, voilà. Donc ça, ça fait quoi? Non. L'élément dollar i du tableau est voilà. Donc ça veut dire que là, on initialise un dollar i, variable i qui vaut 0. On dit que tant que c'est inférieur au nombre d'éléments du tableau, on va incrémenter et on va écrire l'élément, donc l'élément du tableau, donc le numéro du tableau est, et on affiche sa valeur. Donc là, ça va nous écrire l'élément 0 du tableau est Adeline, l'élément 1 du tableau est Adrien, etc. Avec notre tableau trié. Je ne me suis pas trompé. Bien sûr. Je ne sais pas si on a le droit de faire ça. My dollar i égale 0. Dollar NB. Je vais lire le message d'erreur parce que j'ai un petit à côté de plus plus. On a un petit problème. Alors là, c'est là que le mémo intervient parce que je suis en train de me dire j'ai pas fait de conneries. Non, c'est bien du point virgule. Donc c'est là qu'on va relire le message d'erreur. Est-ce que vous avez oublié de déclarer dollar i? Non, je n'ai pas oublié de déclarer dollar i. Donc on va le déclarer avant. Des fois que. Merde. Ah. Deux points W. On va y arriver. Donc. Alors, attendez, deux petites secondes, je m'en pose pour éviter de faire traîner. Ouais. L'erreur à la con. Si vous avez vu juste avant, en fait, c'est juste que j'avais oublié le point virgule ici. Donc forcément, il me comptait faux, mon fort, parce que j'avais pas... Voilà, erreur de à la noix, j'avais oublié ça. Donc voilà, mes excuses. Donc voilà, bon, j'ai fait pas mal de petits tests, vous avez vu. Enfin non, vous avez pas vu, $NB, voilà. Donc maintenant, on fait de i qui vaut 0 jusqu'à i inférieur à NB. Et donc là, hop, donc ça nous écrit ça. Ça nous écrit l'élément truc du tableau et machin. Bon, voilà. C'était petit truc à la con. C'est pour ça que, vu l'erreur, tellement elle est nulle, que j'ai bien fait de couper la vidéo parce que j'ai galéré 5 petites minutes à trouver l'info. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu chiant de faire un for comme ça. Donc, dans ce cas-là, il y a un truc qui est assez sympa. Donc, je commente ici. Il y a un truc qui est assez sympa, c'est la fonction forEach. Donc comme son nom l'indique, c'est pour chaque. Donc pour chaque élément du tableau, tab trier, on va afficher des choses. Donc on fait, hop, non, je vais ouvrir là, tiens. Et donc j'en profite pour dire que là, en fait, pour chaque élément, on va l'afficher l'élément print, mais on affiche quoi? Je mets mon point virgule avant de me faire avoir. On affiche quoi? Et bien là, il y a une variable magique qui s'appelle dollar underscore. C'est la variable implicite. Et donc cette variable implicite, en fait, ça va prendre l'élément du tableau. Donc là, pour chaque élément du tableau, ça nous affiche le tableau. Enfin, ce qu'il y a dedans. Donc en gros, ça nous affiche la liste des prénoms. Donc si je mets les deux for et for each l'un à côté de l'autre, voilà. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus difficile à écrire que celui-là. Et pourtant, si on les lance, ils affichent la même chose. Alors, oui, on ne voit pas. Print. On va afficher. Voilà.
afficher un espace entre les deux quand même. Voilà, donc 1, 2, 3, 4 lignes. Là, 1, 2, 3, 4 lignes. Mais on voit que là, on se complique la vie à écrire ça alors que là, on écrit juste ça. Et là, on dit pour chaque élément du tableau, au lieu de dire pour my gna 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 gna. Et accessoirement, ici, on a utilisé la variable lnb où on a dû calculer le nombre d'éléments du tableau avant. Donc là, hop, vous voyez, ça met, ça affiche exactement la même chose. Voilà, donc là je commence à faire des petites erreurs d'étourderie, mais ça tombe bien parce que la partie 1 de la programmation Perl est terminée. Donc finalement, à la fin de ce tutoriel, mini tutoriel, vous savez faire quoi? Vous savez les petits prérequis, les petits rappels de base, comment on nomme un script, tout ça. Comment on affecte des variables, comment on fait des calculs, comment on concatène des chaînes, comment on incrémente, on décrémente des chiffres, comment on fait des comparaisons, comment on utilise les fonctions, enfin les structures, vous savez comment ça fonctionne, le si alors sinon, le si inversé, donc unless, le pour, le while, donc le tant que, le... les tableaux, comment on affecte des tableaux, comment on les affiche, comment on joue avec les tableaux, voilà, et comment on transforme une chaîne en tableau et inversement. Et ben, je trouve que c'est pas mal. Et je vous donne rendez-vous, alors quand, je ne sais pas, pour la partie 2, qui traitera de... en fait, la partie 2, c'est un bout de script que je me suis envoyé par mail, où il y a plein de trucs dedans. Ce sera, je pense, interroger une base de données. Il y aura interroger une base de données, jouer avec des fichiers, écrire dans des fichiers, lire des fichiers, pourquoi pas. Et puis des petites fonctions, pourquoi pas, comment on utilise les arguments. Enfin, je sais pas, je vais voir comment, comment organiser la partie 2. Mais voici en tout cas la partie 1. Je vais essayer de faire des petites références de temps dans la description si vous voulez sauter d'un paragraphe à l'autre. Voilà. Et bien sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !